dit. Finissons-en. Attendez, laissez-moi résumer un peu. Si Jet et Ward s'infligent mutuellement un speed strike au milieu du nuage de Lord Shifta, l'énergie libérée entraînera une réaction en chaîne qui fera imploser Shifta et Akedo sera sauvé. Oui, enfin c'est la théorie. Mais c'est une théorie qui nous vient de Ward. Oh, donc on est fichu? Oui, je crois bien. Je croyais que la tempête de pouvoir devait se calmer. On dirait plutôt qu'elle grandit encore. Mais ça aurait dû fonctionner. Jet, ça fait partie du plan, ça? Sex, tout va bien? Blitzblade, destruction. Ce fut un honneur de combattre à tes côtés. Non, ce n'est pas logique. Oh, allez, Chuck, t'es passé où? Oh non, c'est pas possible, il a disparu. On peut remercier la théorie de Ward. Non, Chuck et Glitchblade se battent toujours pour nous là-haut. L'idée de Ward était bonne, pour une fois. Il faut seulement voir plus grand. Hein? Split Strike et deux éléments ne suffit pas. Il faut qu'on le fasse avec les six. On n'est que quatre là. Comment on peut Split Strike et six éléments en même temps? Grâce à eux. Regarde, avec un seul super splitter, ça fait deux éléments. J'y crois pas, t'es un génie. On va combattre pour le meilleur et pour le pire. Ok, donc pour la lumière, l'ombre, la terre et le feu, on a ce qu'il nous faut. Donc toi et Ward, vous devez prendre des guerriers de la foudre et de l'eau. Moi, je vais le faire. Shades, tu peux pas faire ça. C'est tout ce qu'il me reste de Chux. Hé, hey, frangin. C'était mon frangin. On a grandi ensemble, on a eu le même entraînement. Et en plus, faut quand même que j'égalise le score. D'accord, Shades. Alors, on va le faire pour Chux. Shades est un guerrier de l'eau. Donc j'imagine que pour moi, ça sera la foudre. Et est-ce un oiseau? Est-ce un avion? C'est par la balance de la justice? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que tout va bien? Je débarque et pourquoi ça tourne mal? Je te laisse le choix, gamin. Feu de forêt ou glissement de terrain. Enfin, quand j'aurai le feu vert. On n'aura qu'une seule chance. Il faut qu'on travaille en équipe. Tu savais que ça arriverait, Ward. Tu voulais te débarrasser de Chuck, avoue-le. Ça, c'est pour mon frangin. Et ça, c'est pour mon frangin. Et ça aussi. Allez, plus haut et dégage de là. C'est bon, j'ai compris. T'as perdu ton meilleur guerrier, ton ami. Moi aussi, d'ailleurs. Mais on a plus important à gérer pour l'instant. Pas la peine de t'énerver sur moi. Au lieu de ça, vengeons-nous ensemble. Heureusement que Buster peut encaisser deux split strikes. Ça y est, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Pour Akedo, Akedo! Jet Li. Pour moi. Akedo est toujours là. Alors ça a marché? Ça a marché? Dis-moi que ça a marché, Ward. Ward? Ah! Oh, Chuck, tu vas bien? J'en étais sûr. Bonjour, joueur 3419. Prêt à te battre? Maintenant, plus personne ne pourra nous arrêter. Je n'en serai pas si sûr à ta place. Tu vas subir mes réactions en chaîne dévastatrice.
Vas-y, Jet! Tu vas la voir! Goûte à ma furie survoltée! Jet, prépare-toi pour le Speed Strike! Je me suis cogné la tête si fort que ça! Je peux savoir ce qui se passe là? Attends, mais c'est pas normal! C'est passé en mode double strike team tout d'un coup! Changement! Peu importe, la furie survoltée 2! Le retour! J'adore les blagues, mais les plus courtes sont les meilleures! Changement! Vas-y, change de guerrier autant que tu veux! Parce que cette fois, c'est la fin! Changement! Qu'est-ce qui se passe là au juste? Tu veux mon avis? Je crois que le jeu est complètement en train de perdre les pédales! C'était pour le moins étrange. Je te le fais pas dire, Chux. Chux? Et Chux? Et Chux? C'est partout pareil, dans tout Akedo. Le jeu est complètement en train de se détraquer. Tu devrais écouter Cub, Jet. Ça sent le sapin, là. Il faut que tu mettes fin à ton match. Sur le champ. Tu rigoles. Si je fais ça, je perds. Et je renonce à mes points de réputation, ce qui t'arrangerait bien. C'est vrai. Ce serait pas mal. Mais c'est pas pour ça que je suis venu ici. Nous devons à tout prix sauver Akedo. Nous, tu dis? Écoutez. Jet et moi avons déclenché cette tempête de pouvoir avec notre Split Strike. Et Cub et Priya ont deux des plus puissants guerriers d'Akedo. Oh. Alors, même si ça m'écorche de devoir dire ça... Oui, je vais avoir besoin de votre aide. Allez, arrête! Je parie que c'est encore une de tes ruses! Pas vrai? Hey! Il faut faire vite! Le temps presse! Attention, je te préviens, Howard. J'espère que t'avais une bonne raison de faire ça. Une bonne raison comme par exemple des dizaines de Chucks dans le même combat, le mode de jeu qui change aléatoirement et des arènes complètement buggées. Suivez-moi. Dépêchez-vous. Ce monde tombe en ruine depuis que la tempête de pouvoir a été déchaînée. Bientôt, il n'en restera plus rien. Sauf si on arrive à sortir des limites du monde jouable. Quoi? Mais tu sais bien que c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. C'est seulement très difficile. J'ai trouvé un passage. Juste ici. Non, c'est pas vrai. Allez, venez, on y va. T'es censé ouvrir le passage d'abord. T'aurais pu nous le dire avant. Et pour y arriver, il faut split striker 6 guerriers différents avec 6 éléments de la tempête de pouvoir différents dans un ordre très spécifique. Donc, si j'ai bien compris, tu veux qu'on mette nos meilleurs guerriers KO pour toi. Il a de l'espoir, vous trouvez pas? Briya? Cub? Je sais qu'on peut pas faire confiance à Ward, mais... Le jeu est en train de se détruire, il faut qu'on fasse quelque chose! N'importe quoi! On n'a pas tellement le choix, là. Prêt? Attendez, mais vous allez faire ce qu'il dit! À l'attaque, non! Split Strike! Super méga ultra giga ténébreuse attaque éclair de la licorne! T'as intérêt à dire la vérité, Ward. Arrête, est-ce que ça m'est déjà arrivé de te mentir? En fait, te fatigue pas à répondre.
Avant que le monde ne changeât jamais, je comptais parmi les plus grands boxeurs. Mais les trophées n'ont aucune valeur sur ces terres dévastées. C'est pourquoi j'ai fait fondre mes ceintures d'or pour devenir Buster Bling. Mi-homme, mi-castagneur cybernétique, 100% grabuge. Oui, ok. Ça faisait déjà longtemps qu'on le savait, ça. On jouait ensemble dans Akedo. Regarde. Nous, on veut savoir comment t'es devenu un super splitter. Raconte-nous tout, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chut. Attendez, il a pas fini son histoire. Oui. Donc, comme je le disais, j'ai combattu les démons de l'apocalypse, de jour comme de nuit, jusqu'à me retrouver face à leur maître, Monsieur Splitz. Un épouvantable mélange entre un mutant infecté et un expert comptable. Je vais t'écraser comme une mouche. Et ensuite, je taxerai tes revenus fiscaux. Prêt à l'attaque, Split Strike. Je suis libre. Je suis libre. Bon, que quelqu'un appelle les ressources humaines. Je suis rentré de mes RTT et je peux savoir où est mon café latte. Je crois que je l'ai cogné assez fort pour expulser l'infection de son corps et la transplanter en moi. C'est comme ça que Buster Bling est devenu Buster Splitz. Ça tabasse, hein? Bim, boum, bim, boum. Un bon pif. Si j'ai bien compris, il a un côté cybernétique qui carbure à la lumière et un côté qui carbure à l'ombre, qui serait plutôt un genre de monstre. C'est ça. Et les deux s'affrontent pour prendre le contrôle. On va combattre pour le meilleur et pour le pire. Prêt à l'attaque, Split Strike. Je suis l'âme de la forêt, et je suis l'esprit du feu. Prêt à l'attaque, Split Strike. On va livrer un combat loyal. Ça ne m'empêchera pas de faire des coups bas. Hé, hey, c'est pas du jeu, ça. Tant mieux, je préfère jouer comme ça. Buster, oh, perds pas ton temps à grogner. Et à faire des bruits de robots. Oh, il faut que tu rassembles tes forces maintenant. T'as conscience que c'est un peu cocasse de demander ça à un super splitter? Surtout quand ces deux éléments, c'est l'ombre et la lumière. Est-il gentil ou méchant? Il est tiraillé entre le bien et le mal. Je sais bien, oui. Mais Burn Down arrive très bien à combiner ces deux éléments, lui. Et alors? Tu peux y arriver aussi. Ok. Buster de lumière, analyse tes points faibles avec ton œil cybernétique. Excellente idée. Comme ça, je sais où éviter de cogner pour que ça reste loyal. Ah oui, c'est ça. Et maintenant, Buster de l'ombre, utilise ton monstrueux pouvoir mutant et frappe là où ça fait mal. Attends. Laisse-moi t'aider. Subis un split. Ton match a enflammé le Cub Net Jet. Même Ward a laissé un commentaire. Il dit que c'est lui qui t'a secrètement conseillé Buster. Hein? Bizarre. Attends, il a dit quoi là? Alors c'est lui qui t'envoyait des messages anonymes depuis tout ce temps? Peut-être bien. Mais pourquoi il aurait fait ça? J'en sais rien, mais on va le découvrir Tous ensemble. Sur le Cub Net. Je voulais dire tous ensemble. Enfin bref, est-ce que vous êtes tous prêts à l'attaque Split Strike?
l'ombre. Blitzstrike! La lumière. Blitzstrike! La terre. Blitzstrike! L'eau. Blitzstrike! Le feu. Il ne reste plus qu'un seul élément. La foudre. C'est pas censé être le moment où une porte magique s'ouvre pour nous mener en dehors des limites du monde jouable. Je vous jure, je vous ai pas menti. Mes recherches ont dû être... Ben voilà. Alors, vous venez ou quoi? Oh hey, lâche-le tout de suite. Comment t'as appris l'existence de cet endroit, Ward? J'ai mis la main sur des documents préparatoires à la création d'Akedo. Laisse-moi deviner, pour pouvoir tricher. Va savoir. Enfin, bref. Akedo est rempli de lignes de code parasites issues des versions précédentes qui n'ont pas été supprimées dans les mises à jour. Ces lignes de code ont créé Lord Shifta. L'ombre de Shifta plane sur le jeu depuis des années. Il absorbe en secret des pixels et de l'énergie élémentale à chaque split strike. Quand Jet et moi, on s'est infligé le split strike simultané, ça a déchaîné la tempête de pouvoir. En faisant ça, on a libéré Lord Shifta. Maintenant, il est parti pour dévorer tout Akedo, sauf si on fait quelque chose pour l'arrêter. Alors il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Arrêter Shifta et sauver le monde d'Akedo. Ouais, allons-y. Au fait, comment on arrête Shifta? J'en ai aucune idée, mais on verra ça une fois qu'on sera entré là-dedans. Bonne idée. Fonce dans ce terrifiant nuage bouillonnant d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le nuage se défend. Et apparemment, Shifta a le pouvoir de générer n'importe quel guerrier d'Akedo. Si Shifta se sent menacé, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Alors, allons-y. Prêt? À l'attaque, Split Strike! Éclair de génie fracassant! C'est pas possible, ça n'en finira jamais! Les gars? Je n'ai qu'une seule chose à déclarer! Blitzstrike! J'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout! Il en vient sans arrêt! Wow, t'as raison. Le seul moyen pour faire une percée dans leur rang, ce serait que Cub utilise le pouvoir de Klossom Shreddy et toi, celui de Tremorphis Tailwhip. Ces deux guerriers ont réussi à se transformer eux-mêmes. Leur puissance respective dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Oh, on dirait bien que je vais entrer en mode bestial. Petit ours à ingrat. Attaque! Blitzstrike! Blitzstrike! C'est par là! C'est si calme tout d'un coup! Je crois qu'on a réussi! Non, Cub, si c'est calme, c'est parce qu'on est dans l'œil du cyclone. Oui, je le savais, ça. On fait quoi maintenant, Ward? Eh bien, j'ai une petite théorie, mais ça ne va pas vous plaire. Jet et moi avons libéré Lord Shifta avec notre double split strike. Alors, si ça se trouve, il suffit qu'on le fasse à nouveau, mais cette fois à l'intérieur de Shifta. Souvenez-vous l'énergie qu'on a déployée. Elle a fait tout le tour d'Akedo. Si on refait ça ici, l'énergie sera coincée dans ce nuage. Shifta l'absorbera, réaction en chaîne, et il implosera à cause de la surcharge d'énergie. C'est une plaisanterie, j'espère. Les chances de réussite sont d'au moins 1 million contre une. Même pas, 1 milliard contre une. Je suis prêt à prendre le risque. Ward, on a causé cette pagaille et maintenant, on va y mettre un terme. Prêt à l'attaque, Split Strike!
J'allume le feu, je deviens dangereux et je te dis adieu. J'ai acheté pour acheter un nouveau guerrier. Tu vas encore prendre un guerrier dans le style de Bolt Strike Thunderwind? Brave guerrier, sage sorcier. Hein? Bah oui. Et tu joues aussi avec Firefoot White Wells. Elle est profonde et complexe. Et Tail Whip, le dinosaure parlant le plus poli que je connaisse. Enfin bon, faut dire que c'est le seul aussi. Où tu veux en venir? Bah, la plupart de tes guerriers sont intelligents et raffinés. Et si tu choisissais un guerrier comme... Voyons voir... Thunderpant. Il est pas tout à fait ce que j'appellerais intelligent et raffiné. Non, mais il serait parfait pour composer une équipe à 15 points. Réfléchis. Alpha Predator Tail Whip vaut 5 points. Captain Plunderfoot en vaut 6. Et Thunderpant, 4. C'est presque rien. Je suis également un fier défenseur de la vérité, de la justice et de l'art d'Akedo. Waouh, c'est quoi ça? Eh bien, c'est ma pose de la victoire. Quelle question. Impressionnant, non? Non, je parlais de ce truc-là. La manette de méga frappe, gros balourd. Tu as dit balourd, tu voulais plutôt dire balèze. La petite souris va récolter tes dents à la source. C'est qui cette souris des glagos? Bug tous, ses stats sont parmi les meilleurs d'Akedo. Captain Plunderfoot, avec ta capacité spéciale, t'as un bonus de 3 points de dégâts contre les guerriers de l'ombre comme lui. Cet énorme rat de potence va aller nourrir les requins Frogfiat. Continue, Plunderfoot. Chaque coup recharge ma manette de méga frappe. Tiens donc, un Ratus Maximus. Encore une espèce qui est sur le point de s'éteindre sous les coups de mon méga fouet. Au moins, son améliorateur donne un bonus contre les guerriers de l'ombre. Oui, mais la capacité de Bugtooth lui donne un point de dégâts en plus contre les guerriers de la foudre comme Thunderpant. Prêt à l'attaque, Blitzstrike! Rends-toi, crapule, avant que je ne te fasse fondre avec mes yeux laser et que je ne t'écrabouille avec mes pouces interdimensionnels. Ok, Thunderpants. Oublie les super-pouvoirs et contente-toi de le frapper. Ainsi soit-il. Tu t'apprêtes à subir une décharge de justice. Ma manette de méga-frappe est chargée. Voyons un peu ce qu'elle fait. Alors, méga-frappe. Wow! Comment t'as fait ça? C'est la manette que j'ai eue au marché. Il faut la charger en enchaînant les attaques. Et ensuite, on peut lancer une méga-frappe. Ainsi soit-il. Et voilà un super-pouvoir de plus dans mon arsenal. La méga-frappe n'est pas tout à fait ton super-pouvoir, tu sais. Dis-lui, Bria. Pour être honnête, Thunderpants, j'aurais jamais pu faire la méga-frappe sans toi. Donc, techniquement, t'as raison. Blablabla. Trêve de bavardage. Encore quelques attaques de plus et ma manette de méga-frappe sera elle aussi chargée. J'y crois pas. Il en a une aussi. Changement de plan, Thunderpants. Fais-nous donc un de tes super discours de super-héros. Vraiment? Maintenant? Ouais! Et un grand pouvoir et un super brushing impliquent de grandes responsabilités. C'est pour ça que je ne suis jamais à court de gel et que je ne fuis jamais d'un combat. Fuis! Maintenant, Thunderpants! Certains verront ici un split strike, mais moi, je ne vois que justice rendue. Ouais. J'en reviens pas comment Thunderpants a démoli toute son équipe. Et moi, j'arrive pas à croire que j'ai pas eu une manette de méga frappe. Il m'en faut une tout de suite. Trop tard. On a acheté tout le stock. Ah.